Algérie, 1er décembre 1916. Charles de Foucauld vient de passer 20 ans dans le Sahara, à partager la vie des plus pauvres, lorsqu'il est tué d'une balle dans la tête devant son bord de Tamanrasset. Bavure, assassinat, l'histoire aura bien du mal à trancher. Ce n'est pas cette vérité qui m'intéresse, mais bien plutôt l'empreinte qu'il allait nous laisser, ou plutôt nous offrir. Une empreinte discrète, infiniment simple, colossale. Sa vie, son œuvre, ses choix allaient entraîner dans son sillage bon nombre de philosophes, chercheurs en théologie, scientifiques, géographes, sociologues, et créer à travers le monde de nombreuses congrégations religieuses et laïques se réclamant de son modèle. Un modèle très simple, un chemin où nous traverserions à ses côtés les frontières des époques et des convictions humaines. Je crois que je dois toute ma vie spirituelle à Charles de Foucauld. J'ai parfois l'impression que il m'a pris par la main et il m'a emmené là où je ne serais pas allé sans lui. En fait, Charles de Foucauld nous dit « Engagez-vous dans une voie où vous devenez plus humain. » Et comment devenir plus humain? Je crois que c'est vraiment ça le fond de son message. Je crois que Foucauld, qui a été athée, qui a été et qui n'y a pas cru, en fait, d'une certaine manière, l'est resté. Et ça, c'est une chose à quoi je tiens beaucoup et qui est très difficilement explicable. Je veux dire, il est athée du faux Dieu. Il ne croit pas qu'il existe là-haut dans le ciel, quelqu'un qui donne des commandements. Et je crois qu'il s'est converti à cause de Jésus de Nazareth, le Rabbi Yeshua, c'est-à-dire l'idée de l'homme qui, venu de Dieu, comme disait moi, est venu partager jusqu'à la mort la condition des hommes. Je crois que pour Foucauld, Dieu l'intéresse s'il vient vivre parmi les hommes. S'il ne vient pas vivre parmi les hommes, s'il se contente d'envoyer un ange pour donner des commandements ou un prophète qui descend le Sinaï avec des tables, ça ne l'intéresse pas. Ça lui est égal. Il peut rester là-haut, on s'en fout, on est aussi bien entre hommes. Notre Père qui êtes aux cieux, restez-y et nous nous resterons sur la terre qui est parfois si jolie. Voilà. Si Dieu, c'est uniquement une machine à débiter du commandement, qu'il reste où il est. Et au contraire, Foucauld est devenu croyant à cause du Dieu des chrétiens, parce que les chrétiens professent un Dieu qui s'est fait homme et qui est venu, comme dit le prologue de l'évangile de Jean, qui est venu habiter parmi nous. Et il a cette phrase absolument magnifique. « On me demande quel est le secret de ma vie, le voici. Je me suis perdu d'amour pour Jésus de Nazareth, venu parmi nous il y a 1900 ans. » Et je me suis efforcé de l'imiter autant que le permettait ma faiblesse. Je me suis perdu d'amour. Pour moi, chercher toujours la dernière des dernières places, pour être aussi petit que mon maître, pour être avec lui, pour marcher derrière lui, pas à pas, en fidèle domestique, fidèle disciple, pour vivre avec mon Dieu qui a vécu ainsi toute sa vie et m'en donne un tel exemple dans sa naissance. La rencontre de Jésus de Nazareth va transformer Charles jusqu'au plus profond de lui-même. Lors de son long séjour au Maroc et en Algérie, il avait découvert un autre monde possible, tellement loin des apparences sociales. Par leur simplicité offerte, leur prière confiante, leur quotidien fait de petites choses, ces gens lui avaient ouvert, malgré leur religion bien éloignée de la sienne, la voie vers Jésus-Christ. Phrase après phrase, mot après mot,
L'Évangile lui montrait la voie de l'amour totalement désintéressé, explosant les frontières de la bienséance et des hypocrisies pour aller se nicher vers l'essentiel, le cœur des hommes. Charles de Foucauld parvenait enfin à discerner en lui toute la puissance du message de Dieu. Pour moi, le mystère, quelque part, qui reste encore un mystère de Charles de Foucauld, c'est à partir du moment où il est devenu petit parmi les petits, c'est-à-dire pas du tout exceptionnel pour le monde d'Algérie et de Tamanrasset où il était, qu'il a eu une métamorphose et qu'il avait vraiment vécu une métamorphose de première grandeur, quoi. Vous voyez, c'est peut-être que certains ont plus de capacité que d'autres, bien sûr, dans l'existence, capacité intellectuelle, physique, morale. Mais c'est le cœur de l'homme, lorsqu'il entre dans cette humilité qui n'est pas une humilité pour disparaître, qui est une humilité pour reconnaître qu'à la fois il est habité d'une puissance de vie extraordinaire et qu'il est très vulnérable. Mais c'est dans cette entrée-là que les métamorphoses ont lieu, quelle que soit la condition sociale. Et c'est un appel pour tout le monde et un appel pour construire une vraie vie ensemble qui respecte profondément le plus petit, non pas comme un slogan, mais comme un chemin. Hein. Évidemment, vous doutez que je pense à cette phrase de Jésus dans l'évangile de Matthieu, quoi. Ce que vous faites au plus petit d'entre les miens, c'est à moi que vous le faites. Charles de Foucauld, comme beaucoup d'autres, il incarne cette rencontre. Et cette rencontre, elle est possible à tous les coins de rue, j'allais dire, pour tous. Une rencontre si souvent tapie dans le silence de nos âmes et le brouhaha de nos vies. Une rencontre imprévisible, infinie, définitive, qui avait transporté les pas de Charles de Foucauld jusqu'au Tassili du Hogar, dans ce monde minéral, hostile, majestueux, où il avait côtoyé tant d'âmes délicates. L'écrivain Éric Emmanuel Schmitt, parti au Sahara sur les traces de Charles de Foucauld, suite au scénario de film qu'il venait d'écrire, allait vivre lui aussi cette rencontre intrinsèque, fondamentale, possible, et si inattendue pourtant. Me voici débarquant à Tamanrasset, grâce à Charles de Foucauld. Le trajet, c'était celui de Charles de Foucauld. On allait de la chapelle de Tamanrasset à pied jusqu'à l'ermitage de la Sécrème. Nous étions un groupe de 10 voyageurs. On couchait à la Belle Étoile, etc. Et donc, sur ce chemin qui était motivé par Charles de Foucauld, je me perds. Je me perds d'une façon qui aurait pu être dramatique. Je suis perdu une trentaine d'heures, sans rien à boire, sans rien à manger, dans le massif du Hogar. Et je vis là la plus belle expérience de ma vie, une nuit mystique. J'ai 28 ans, l'âge de Charles de Foucauld, au moment où lui-même a la révélation. Je suis sur son chemin. Lorsqu'on me retrouve, je suis épuisé naturellement. Je me mets dans mon duvet, dans l'oued où on allait passer la nuit. Et c'est comme si malgré moi, ma main cherchait dans mon sac quelque chose. Elle ressort un texte que j'avais recopié plusieurs mois avant à la bibliothèque Sainte-Geneviève, la prière d'abandon de Charles de Foucauld. Je l'avais recopié parce que je n'y comprenais rien. Je me disais, ça c'est extrêmement exotique pour moi, ça doit être le secret. Si un jour j'arrive à comprendre cette prière, j'aurais compris l'homme sur lequel j'ai écrit un film. Et tout d'un coup, cette prière d'abandon, j'en saisis chaque mot. C'est comme si j'étais une éponge qui retrouvait de l'eau. C'est exactement ce que j'ai vécu, c'est exactement ce que j'ai à dire, c'est exactement mon rapport désormais à l'univers. Mon Père, je remets mon esprit entre vos mains. C'est la dernière prière de notre Maître, de notre bien-aimé. Puisse-t-elle être la nôtre,
et qu'elle soit non seulement celle de notre dernier instant, mais celle de tous nos instants. Mon Père, je me remets entre vos mains. Mon Père, je me confie à vous. Mon Père, je m'abandonne à vous. Simple, absolu, limpide, les mots de sa prière me transportent, m'interpellent, m'interrogent, me rassurent, me dérangent. Mon Père, faites de moi ce qu'il vous plaira. Quoi que vous fassiez de moi, je vous remercie. Merci de tout. Je suis prêt à tout. J'accepte tout. Comment imaginer, concevoir, accepter un tel abandon de soi? Mais était-ce un abandon ou bien plutôt des retrouvailles? Lors de sa toute petite enfance, Charles, très proche de sa mère, récitait chaque matin une prière pour protéger sa sœur, ses parents, ses grands-parents. Mais à l'âge de 6 ans, lui et sa petite sœur Mimi sont orphelins. Recueillis par leur grand-père, ils continuent une vie paisible auprès de cet homme bon et fortuné. Passionné par les livres, Charles abandonne peu à peu les lectures pieuses et s'éloigne radicalement de la foi. Il entre à l'école militaire et en ressort officier 2 années plus tard. Son grand-père bien-aimé est mort et lui a légué sa fortune. Perdu, en recherche de vie, d'excès, d'abîme, Charles s'enfouit dans les fêtes et la nourriture. Il lui arrive même de se relever la nuit pour manger du foie gras. Ses amis le surnomment le gros Foucault. Il est méprisé par ses camarades de promotion. Il est méprisé par les officiers qui sont ses supérieurs. On le note avec cette notation magnifique qu'on rêverait d'avoir ensuite quand on est devenu Charles de Foucault. « N'a pas le sentiment du devoir ». C'est merveilleux, enfin, quand on voit ce qu'il est devenu ensuite. « N'a pas le sentiment du devoir ». Et en effet, il n'avait pas le sentiment du devoir. Il avait le sentiment de tout à fait autre chose. Et pendant qu'il est, dans cette perte de lui-même, tout d'un coup, il s'en va. Il déserte. Et on le retrouve au bout d'une semaine. C'est quand même un élève officier de l'école de cavalerie. On lance les brigades de gendarmerie. Il est déguisé en mendiant et il mendie son pain dans les fermes du Maine-et-Loire. Et quand il revient, le général commandant de l'école de cavalerie qui est un peu surpris quand même parce qu'il n'est pas allé voir les filles, il n'est pas allé... Voilà, il était colossalement riche et pendant une semaine, il était dans les fermes du Maine-et-Loire à mendier son pain et à recevoir les coups de pied au cul, etc. etc. Et il répond simplement au général commandant de l'école qu'il n'a rien à lui dire. Et c'est probablement le premier signe par lequel l'absolu commence à faire son chemin à l'intérieur de la vie de Charles de Foucault. Insondable regard, derrière lequel il est bien délicat de poser des mots justes. Charles était sans doute depuis bien longtemps en quête d'une autre vie, d'un autre sens, et sa débauche signait les paroles inaudibles d'une souffrance. Le 28 janvier 1882, il démissionne de l'armée et durant 15 mois, installé en Algérie, il prépare son voyage pour le Maroc. Le juif Maradoché est son guide. Les déguisements, sa protection indispensable. En 1883, sur les terres du sultan, écrit-il, l'Européen peut circuler au grand jour et sans danger. Mais dans le reste du Maroc, il ne peut pénétrer que travesti et au péril de sa vie. Il y est regardé comme un espion et serait massacré s'il était reconnu. Charles va parcourir plus de 3000 km au Maroc, la plupart du temps déguisé. Tour à tour, il est originaire de Jérusalem, de Moscou, d'Alger, un rabbin mendiant qui quête de ville en ville, ou un Israélite pieux venu jusqu'ici malgré la peur du danger. Pas après pas, il relève méticuleusement sur un étroit cahier dissimulé au creux de sa main et sous les amples vêtements, les données géographiques et topographiques les plus précises. Chaque changement de direction accompagné de visées à la boussole, chaque accident de terrain, chaque point barométrique sont mentionnés. Unanimement salué par les scientifiques de l'époque, son livre, La reconnaissance du Maroc, demeure jusqu'à aujourd'hui une référence. Mais la découverte de Charles est bien plus profonde. L'islam a produit en moi un profond bouleversement. La vue de cette foi
de ces âmes vivant dans la continuelle présence de Dieu, m'a fait entrevoir quelque chose de plus vrai que les occupations mondaines. Je me suis mis à étudier l'islam, puis la Bible, et la grâce de Dieu agissant, la foi de mon enfance s'est trouvée affermie et renouvelée. Nous ne lisons pas de livres profanes, mais votre livre n'est pas un livre profane. En m'apprenant à mieux connaître les musulmans, que j'aime de tout mon cœur, il me rendra plus capable de leur faire du bien, ce qui est mon si ardent désir. Il a vu comment ces gens-là étaient démunis et puis ils étaient satisfaits de leur sort, hein, en faisant ils priaient l'être, ils priaient le suprême, hein, tout en... et ils étaient heureux. L'islam a aidé en quelque sorte Charles de Foucault à se mettre sur la voie de l'entraide et de la compréhension et de se rapprocher vers le suprême. Certainement que Charles de Foucault avait déjà tout en lui, hein, pour vivre cette métamorphose. Mais il manquait le déclencheur. Et c'est souvent comme ça dans nos existences. On n'est pas tout noir ou tout blanc. Hein. Il y a en nous beaucoup de choses qui se mêlent et s'entremêlent. Et c'est souvent des relations fortes qui ouvrent. Alors lui, on peut dire, dans son chemin intérieur... L'un des moments clés, c'est sa rencontre avec des musulmans. Alors aujourd'hui, quand on parle de l'islam en France, on n'en parle pas de cette manière-là. Et pourtant, lui, il a été profondément bouleversé par ces hommes de prière qu'il a rencontrés, en Afrique du Nord en particulier. Hein, et qui il s'est dit, mais comment on peut avoir cette capacité de se tourner vers la présence de Dieu comme ça, de manière quotidienne et si forte, quoi. Ça l'a bouleversé. Charles a 28 ans lorsqu'il revient à Paris. Malgré le succès de son livre, La reconnaissance au Maroc, il tourne le dos aux honneurs et se rend chaque jour à l'église, cherchant, demandant, répétant inlassablement « Mon Dieu, si vous existez, faites que je vous connaisse. » Il attend, il écoute, il découvre lentement ce que ses amis musulmans lui montraient avec tant de ferveur et de confiance. L'abbé Huvelin et sa cousine Marie de Bondy, avec qui il échangera tout au long de sa vie, l'accompagnent sur ce chemin difficile, délicat, tellement imprévisible de la foi. Et puis, il rencontre enfin une étincelle, une révélation, une conversion immense, silencieuse, secrète, irréversible. « Oh mon Dieu, comme vous aviez la main sur moi et comme je la sentais peu, que vous êtes bon, que vous êtes bon, comme vous m'avez gardé, comme vous me couviez sous vos ailes lorsque je ne croyais même pas à votre existence. » Une révélation, c'est une révolution. Parce que toutes les cartes sont mises à bas, quoi. Les mots pour se penser, les concepts pour se penser sont bousculés. Il faut tout reprendre, tout recommencer. Et puis, j'avoue qu'en revenant du désert, en revenant de cette expérience très forte sur le trajet Charles de Foucault, j'ai voulu minorer. J'ai voulu repousser l'expérience par paresse, par conformisme intellectuel, pour rester à l'unisson des gens de mon milieu. J'étais dans un milieu athée, j'étais agrégé docteur en philosophie, j'étais élève de Jacques Derrida à l'École normale supérieure. Enfin bref, tout d'un coup, je me trouvais avec une singularité pesante de croire. Et en fait, je crois que ça s'est fait malgré moi. Avec la confiance d'un enfant, Charles part rejoindre sa nouvelle vie chez les trappistes.
Nous sommes le 15 janvier 1890. Il a tout quitté. Sa famille, sa richesse, ses souvenirs, ses doutes, son histoire. La route qui s'ouvre devant lui ressemble à un océan. Auprès des moines de Notre-Dame-des-Neiges, il espère retrouver l'extrême pauvreté de son maître, son tuteur, son phare. Sa nouvelle vie ne sera que prière et soumission à l'ordre austère des trappistes. Un chant de silence et de prière qui ramène à l'essentiel, à l'intérieur, au monde. Je ne dois pas dire que j'ai bien supporté le jeûne et le froid. Je ne les ai pas sentis. Du régime de carême, un seul repas par jour à 4h30, je ne puis dire qu'une chose. Je l'ai trouvé agréable et commode. Et je n'ai pas senti la faim un seul jour. Le bon Dieu me soutient encore plus. Cet état est trop inattendu pour que je puisse l'attribuer à un autre qu'à lui. Qu'est-ce que cette paix, cette consolation? Charles ne passera que quelques années chez les trappistes. Il y apprend beaucoup, mais c'est autre chose qu'il cherche. Une pauvreté plus simple, peut-être, plus proche des personnes. Une pauvreté humble et sans artifice. Lui, il voulait la dernière place. D'ailleurs, il dit « Jésus a pris la dernière place et personne n'a pu lui ravir ». Et donc, il part à Nazareth un peu pour ça, pour découvrir Jésus dans sa vie simple de Nazareth et essayer de comprendre qu'est-ce qu'avait pu vivre Jésus dans sa vie quotidienne. Et après, ben, il recueille tout ça, lui, comme dynamisme dans sa vie spirituelle. Quoi, hein, parce que ça, il va le garder quand même tout long, cette expérience de Nazareth. Ça va être toujours ce qui va le motiver à creuser de plus en plus, quoi. En 1901, Charles repart enfin pour l'Algérie, dans ces terres en apparence arides et hostiles, où fourmillent des trésors humains. C'est son ami militaire, le commandant Lapérine, qui l'a rappelé, voyant en Charles un homme capable de civiliser et d'évangéliser dans la confiance les populations locales. Mais Charles est très vite loin de toute démarche d'évangélisation. Ce qui l'intéresse, jusqu'au plus profond de son être, c'est de partager la vie des gens, de vivre simplement au milieu d'eux, comme eux. Avec les ouvriers locaux, il se construit un petit logement et souhaite devenir le frère universel. Un frère, juste un frère. Un frère en humanité, qui partage les soucis et les joies quotidiennes. Au fur et à mesure qu'il a avancé, il s'est humanisé. S'il fallait une image pour le définir comme il m'apparaît à moi, c'est un peu l'image de l'explorateur. Il a fait cette exploration au Maroc, pour laquelle il s'est préparé sérieusement. Puis je suppose, j'ai jamais fait d'exploration, mais je suppose qu'un explorateur y prépare, et puis il se lance, et puis il y a plein de chemins nouveaux, inconnus, qu'il faut qu'il parcourt. Et je crois qu'il a fait ça pour beaucoup de choses. Il est rentré à la trappe, mais il s'est laissé conduire, et puis il en est sorti parce que d'autres chemins se sont ouverts. Il a exploré des chemins de la prière, il a exploré une manière d'être avec les gens. Il est en recherche, hein. Il est passé au Maroc, il est passé, bon, il a terminé sa vie en Algérie, mais il est allé au Proche-Orient, il est allé à Notre-Dame-des-Neiges, et on sent que... À partir de ce moment de sa jeunesse où tout à coup il se dit
non, là j'étais parti sur une certaine route, mais elle ne me convient pas. Et, il se met dans ce positionnement de l'explorateur. Et pas seulement de l'explorateur au Maroc, mais de l'explorateur, je dirais aussi bien dans sa vie de foi, dans sa vie d'homme, explorateur par rapport à ce qui se passe en Algérie. Et tout en étant bien de son siècle, bien de son époque, il apparaît sur certains points visionnaire. Charles regardera toujours les âmes fières et intègres cachées derrière les hommes vaincus. En effet, les Touaregs venaient de se soumettre à la France depuis quelques années seulement, lorsque Charles de Foucault arrive dans le Hogar. La situation tendue après les dernières révoltes est encore palpable. Leur chef, Moussa Gamastan, refusera même dans un premier temps qu'il s'installe à Tamanrasset, avant d'accepter sa présence au milieu d'eux. Une présence bienveillante, authentique. Le chef rebelle fera de lui peu à peu son ami. Charles, bientôt surnommé le Marabout Blanc, s'engage avec toute la force de sa foi contre les inégalités criantes et l'esclavage, rachetant lui-même à des esclaves leur liberté. Il sait combien la considération de l'autre, quelles que soient ses convictions intimes et son histoire, est la clé absolue de la paix entre les hommes. À l'époque, le Sahara était considéré comme une mer intérieure où il n'y a pas de vie et puis il n'y aura jamais de vie. Bon, Charles de Foucault, quand il est arrivé, il a fait toucher du doigt les politiques de l'époque, que dans ces espaces où ils pensaient qu'il n'y a pas de vie, puis qu'il n'y aurait pas de vie, il y a des sociétés organisées et qui vivent. Donc c'est déjà beaucoup. Le Touet est vraiment un beau pays qui peut beaucoup gagner, et qui gagnera s'il est bien administré. Riche en blé, en dattes, capable d'avoir des troupeaux, il se développera de lui-même si on y fait régner la justice, en empêchant qu'une infime minorité de blancs, oisifs et possédant la terre, n'opprime la grande majorité de la population. Aratin, Kema dominoir libre mais sans propriété, à qui, si on les laisse faire, les blancs ne laissent que la peau et les os, les pressurant sans mesure et les dégoûtant d'un travail qui ne leur profite pas. Et il faut situer les choses en leur temps, à l'époque où ils pensaient qu'il y avait quand même des races supérieures et des races inférieures. Il faut situer les choses à ce moment-là. Donc Charles de Foucault, avec, je ne sais pas, d'autres à l'époque, on fait toucher du doigt les politiciens de l'époque qu'il y a une seule race humaine qui est la même. Il y a une évolution des populations, évolution des tribus, etc. Et puis, lui, c'était comment créer cette synergie entre les populations de la planète construire le monde de paix dont on aspire tous. Ici, ma vie est surtout employée à l'étude de la langue touareg. C'est beaucoup plus long que je ne croyais, car la langue est très différente de ce qu'on la croyait. On la croyait très pauvre et très simple. Elle est au contraire riche et moins simple qu'on ne le pensait. Durant des jours, des nuits, des années, Charles entreprend un travail gigantesque, presque inimaginable, au dire des plus grands linguistes de notre temps. En plus de la traduction du Nouveau Testament en touareg, il s'attelle au dictionnaire français touareg et au dictionnaire abrégé des noms propres. Rédige des notes pour servir à un essai de grammaire touareg, recueille et traduit des poésies et des textes en prose. Avec la précision d'un orfèvre,
il écoute, décortique, illustre par ses dessins. Il vit au milieu des Touaregs, il travaille leur langue, il travaille leur culture, il passe un temps fou à écouter les poésies, à écouter des choses dont on dirait ça n'a pas de sens. Oui, ça a du sens. Parce que c'est ça qui fait la culture des gens, c'est ça qui est derrière leur manière de penser, c'est ça qu'ils trouvent beau. Simplement regarder ce que l'autre y trouve beau pour pouvoir cheminer avec lui en vérité. Et pas d'abord amener ce que moi je trouve beau. Il a fait tout un tas de dessins, mais des choses... Il y a un dessin qui est très connu, qui est publié dans tous les différentes traits de la coiffure d'une femme touareg. Elle doit avoir des tresses, je pense. Et donc, comment c'est dessiné les... Mais c'est impressionnant. On dit, mais pourquoi il s'est intéressé à ça? Par exemple, dans le dictionnaire, il y a un moment où il a repéré, je crois, les 17 manières, nuances différentes de brun du pelage d'un chameau que les Touaregs emploient. Mais ça veut dire qu'il a écouté la patience qu'il lui a fallu pour pouvoir, je ne sais plus si c'est 7 ou 17, mais même si c'est 7, pour pouvoir repérer ces nuances, pour pouvoir les faire préciser, pour pouvoir essayer, lui, de les traduire, donc de bien comprendre. Et puis sur le brun d'un chameau, quoi. Ça sert à quoi le brun d'un chameau? Rien du tout. Sauf à mettre en valeur qu'il y a une richesse de langue, il y a une richesse de culture, il y a une richesse liée à leur vie. Il faut savoir que chez les Touaregs, la femme est absolument centrale. C'est-à-dire, l'homme fait la guerre, etc., incarne la targuité, le fait d'être Touareg, le fait d'être un noble. Mais c'est la femme qui possède la tente et c'est la femme qui possède le langage. C'est la femme qui chante, c'est la femme qui connaît le vocabulaire, c'est la femme qui invente et raconte des poésies. Et il y a des poésies Touareg absolument magnifiques. Et donc, il y avait à l'époque Il y avait à l'époque de Charles de Foucauld une très très grande poétesse qui était la cousine de Moussa Agamastan, la ménocale des Touaregs, et qui a été une des plus grandes poétesses de son temps. Et c'était elle d'ailleurs, elle racontait des poèmes. C'est une femme qui avait été très 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 belle, et elle racontait des poèmes à Charles de Foucauld qui notait ses poèmes. Et quand Foucauld a été assassiné, elle s'est couvert la tête, elle a marché sur la cendre. Et elle n'est plus sortie de sa tente jusqu'à sa mort en déclarant de tous les croyants, frère Charles est monté au paradis sans jugement. Avait-elle déjà reconnu en Charles un vrai témoin du vivre ensemble? Cette expression qui serait si souvent employée plus tard et demeurerait bien complexe. Comment réconcilier nos histoires de vie, nos deuils respectifs, nos attentes, nos espoirs? Comment faire grandir nos amitiés avec toute la force de notre foi, ou de nos questions, ou de nos silences, sans avoir peur? Comment respecter les différences fondamentales de l'autre avec une véritable sincérité? En allant vers les musulmans dans toute l'intégrité de sa religion, Charles avait-il ouvert, comme le disait la poétesse, la voie vers un autre monde possible? La charité, qui est le fond de la religion, oblige tout chrétien à aimer le prochain, c'est-à-dire tout humain comme soi-même. Surtout voir en tout humain un frère, voir en tout humain un enfant de Dieu. La foi chrétienne, c'est avant tout une foi où on témoigne d'un Dieu qui s'incarne, qui se fait proche des hommes. Et frère Charles a été pleinement témoin de cela. Nos frères musulmans, nos amis musulmans, témoignent avant tout d'un rapport où ils sont les adorateurs de ce Dieu, et de ce Dieu qui est d'une certaine manière inaccessible, mais vraiment duquel on dépend. Personne n'a la vérité. Or, Dieu seul, ou le Christ, dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie ».
mais aucun d'entre nous et aucune religion peut avoir la prétention d'avoir la totalité de la révélation et d'être elle-même dans cette possibilité, de cette configuration où elle va tout dire de ce qui est Dieu et de ce qu'est la vie des hommes. À partir de ce moment-là, si on prend en compte d'une part le pluralisme religieux, mais finalement la multiplicité des cultures, chacun apporte à l'autre finalement son regard sur Dieu, et en accueillant de l'autre ce qu'il me dit de Dieu, je vais finalement approfondir et enrichir ma propre foi. Il y a une phrase qui n'est pas de lui, mais qu'on cite souvent. C'est quelqu'un qui l'a invité un jour à table, je crois un docteur qui était de passage là, et qui raconte que dans la conversation à table, un des officiers qui sont là lui demande « Mais enfin, est-ce qu'il y a quelques Touaregs qui vont se convertir et comme ça vous payez un peu de tous les sacrifices que vous avez faits, quoi, que vous ayez un peu une récompense ?» Il dit « C'est pas mon problème », il le dit avec d'autres mots, « mais je cherche pas à convertir les Touaregs », il dit « je cherche à les comprendre d'abord, à les améliorer, mais à les améliorer au sens de leur faire produire le meilleur d'eux-mêmes, quoi. Et puis, vous voyez, un tel là qui est à table, il est protestant, un autre, il est incrédule, les Touaregs sont musulmans. Moi, je crois que le bon Dieu nous recevra tous dans le paradis, sans qu'il soit besoin, il dit même, sans qu'il soit besoin d'être catholique romain, dans la mesure où on aura tous été fidèles aux intuitions qu'on a dans notre cœur, au fond. » Charles de Foucault, c'est un être universel. Il veut que tout ce qui est, on est d'accord avec, et tout ce qu'on n'est pas d'accord, on le laisse à Dieu. Que ce soit qu'il y ait un désaccord entre les traditions judaïques et les traditions chrétiennes, on les laisse à Dieu. Les différences qu'il y a entre le judaïsme, le christianisme et l'islam, on les laisse à Dieu. Je ne vois pas pourquoi on va se chamailler ou s'entretuer sur cette planète Terre. Le Suprême nous a dit, vous êtes là, il nous a envoyés sur cette Terre pour l'aménager et la laisser propre pour les générations futures. Très respectueux des traditions musulmanes, Charles garde pourtant une fidélité absolue au rite de son église. C'est ainsi qu'il se retrouvera un soir de Noël sans pouvoir célébrer l'Eucharistie, car il n'y a personne avec lui, comme l'exigeait alors la règle de l'époque. Ce sera pour lui une épreuve profondément douloureuse. Il est là-bas à la Sécrème et il voudrait célébrer la messe de Noël, qui est pour lui quelque chose de considérable. Et il est là dans son fortin désert, et il ne peut pas la célébrer. Il a l'interdiction de venir la célébrer. Et il écrit à un de ses amis qui est resté à Alger jusqu'au bout. « J'ai espéré qu'il viendrait quelqu'un. » C'est une phrase absolument poignante. Il avait une formation militaire, donc il y a une certaine obéissance aux ordres. Après, il fait partie de l'Église, donc il y a une obéissance aux directives de l'Église. Mais en même temps, il n'est jamais satisfait là-dedans. Il a toujours besoin de chercher plus et plus loin. Et quelque part, moi j'ai apporté ce texte du pape François, qui dit « Dieu a voulu cheminer, il n'a pas voulu être tranquille. Cheminer, c'est franchir des frontières, sortir, ouvrir des portes et chercher des voies. Cheminer, c'est ne pas être assis, installé dans le mauvais sens du terme. » Et je crois que c'est bien ça, quoi. Charles de Foucault, il ne s'est jamais vraiment installé. Il a toujours été en chemin vers un plus qui lui était impérieux à lui, quoi. Il y a un paradoxe qui m'est apparu tout de suite, c'est de voir qu'à la fois il y a une grande famille spirituelle qui est née à partir de l'expérience de Charles de Foucault et qui aujourd'hui se déploie dans le monde entier avec des religieux, des religieuses, des laïcs, des prêtres, et en même temps aucune conversion à Tamanrasset.
Et ça, je pense que c'est quelque chose qui doit aussi nous interpeller fortement. Lui-même, Charles de Foucauld, pensait qu'il allait convertir les musulmans au début de son périple. Hein. Et puis petit à petit, il a appris une autre manière de rayonner de la foi en Jésus-Christ, une autre manière d'être présent comme un ferment de l'intérieur, sans chercher justement à convertir lui, mais en cherchant simplement à rayonner dans l'humilité d'une présence. Dispersées à travers le monde, les fraternités de la famille spirituelle Charles de Foucauld suivent son exemple, partageant le quotidien des personnes en travaillant à leur côté. C'est pour moi une grande richesse de découvrir combien le quotidien est source de vie. Et pour moi, ça, c'est aussi une des choses qui m'a vraiment attirée chez Charles de Foucauld, cette idée que la vie quotidienne a de la valeur. Par notre vie, on peut faire passer des choses. Mais pour moi, ce qui est très important aussi, c'est que ceux avec qui je vis, eux aussi, par leur vie, me font passer beaucoup. Et si je reprends mon expérience avec les Roms, en fait, j'ai énormément appris de leur façon de vivre. Les Roms, on les côtoie à la sortie des magasins qui nous demandent de l'argent ou à la sortie des églises. Moi, j'ai découvert combien c'est aussi un peuple qui peut donner et qui prend soin, parce que nous, on est arrivés là comme seuls étrangères. Et s'ils ne nous avaient pas accueillis, ce n'était pas possible pour nous de vivre là. Alors, c'est vraiment eux qui ont pris soin de nous dans différents domaines, soin de nous en nous apportant à manger, en vérifiant qu'on ait de quoi se chauffer en hiver, en veillant sur nous dans des moments où ils avaient, s'ils ne nous voyaient pas rentrer le soir, certains le lendemain matin arrivaient pour savoir où vous étiez, ça va, vous avez pu rentrer. Se prendre soin de l'autre est la plus belle porte vers le partage de l'amitié que Charles ait vécu. En janvier 1908, tandis qu'il est immobilisé dans son lit, grièvement atteint du scorbut, il sera sauvé par ses voisins. À ce moment-là, il était malade, un peu grave, et il a reçu le lait des voisins. Alors, pour ça, il est sauvé. Et cette petite histoire, ça me touche beaucoup parce qu'il est venu, mais il est devenu une personne qui a besoin d'autres. Je ne suis pas allée pour apporter quelque chose, mais pour recevoir et pour découvrir ensemble. C'est quand même un pays ou un peuple qui est croyante. Alors, être priante avec le priant, ça m'a beaucoup apporté. Oui. Si j'ai pu faire quelque bien, si j'ai pu m'établir au Sahara, c'est après Jésus, parce que j'ai été officier et que j'ai voyagé au Maroc. Dieu prépare de loin les choses, et il fait servir au salut des âmes les bons, les méchants, et les actes qu'on a faits en pensant le moins à lui. Le dernier commandement de notre Seigneur Jésus-Christ, quelques heures avant sa mort, a été « Mes petits-enfants, aimez-vous les uns les autres ». C'est à cela qu'on verra que vous êtes mes disciples, si vous vous aimez les uns les autres. L'amour de Dieu, l'amour des hommes, c'est toute ma vie. Ce sera toute ma vie, je l'espère. On peut se comprendre autant qu'on peut lâcher tout ce qui est superflu. Il faut se rencontrer vraiment sur le niveau humain pour commencer la relation.
Alors moi aussi, je dois lâcher peut-être tout ce qui m'est cher, qui est notamment ma foi. Je dois le lâcher pour rencontrer l'autre. Parce que ce terrain-là, on ne peut pas se rencontrer au-dessus. Alors il faut chercher une bonne terre pour se pouvoir rencontrer. Et oui, ça c'est la vie humaine. C'est la vie quotidienne qu'on partage. Il y a un désir de rencontre qui est là, et en même temps une confiance dans la rencontre. Donc, c'est peut-être un chemin pour continuer le message de Charles de Foucault. Voilà. En même temps, moi, je crois aussi beaucoup que dans son message, il y a le fait que la rencontre, on doit la travailler. Elle n'est pas donnée comme ça. C'est pas une rencontre, tout le monde, il est beau, tout le monde, il est gentil, quoi. C'est, arrive-toi à te découvrir... toi-même, c'est-à-dire à connaître vraiment tes limites, tes potentialités pour aller vers l'autre et rencontrer les siennes, quoi, et pouvoir faire quelque chose ensemble. La rencontre, c'est d'abord l'amitié, c'est peut-être en fait la clé de ce qu'il nous montre, et ça, ça peut sauver le monde. Ça veut dire des rencontres face à face, et quand on est face à face, ça brise des murs. Et puis aussi, ça veut dire aussi des rencontres avec le cœur, c'est-à-dire révéler dans l'autre, au moment de la rencontre, la beauté, la puissance de la personne. Et c'est... Si on faisait ça, il n'y aurait pas de conflit. Ce qui me fascine chez Charles de Foucault, c'est l'évangélisation par l'exemple. C'est-à-dire que... Alors, les mauvaises langues disent qu'il n'a converti personne. Tant mieux. Parce que comment on convertit ? Si on convertit en manipulant, si on convertit en usant de la force, si on convertit parce qu'on est du côté des vainqueurs militaires et des puissants, on ne convertit pas vraiment. Et lui a eu le courage, la force, l'audace, le génie de se dissocier totalement de l'impérialisme et du colonialisme de l'époque pour dire « je ne ferai pas comme les autres, je témoignerai simplement d'une vie chrétienne au milieu de gens qui ne sont pas chrétiens ». Et en plus, il n'y avait rien d'exhibitionniste là-dedans, puisque chez Foucault, il y a l'intérêt pour les autres dépasse l'intérêt pour soi. On est tous marqués par un contexte et on pense tous que le contexte et la culture dans laquelle on est, c'est la meilleure, hein, en tout cas quand on s'y trouve bien dedans. Et de l'intérieur, on peut aussi arriver à prendre du recul, y compris parfois à résister à certains éléments de la culture dont on est membre, parce que au plus profond de soi, il y a une boussole intérieure qui dit « non, là, c'est pas le Nord ». Pour suivre le Nord, il faut suivre une autre voie. Et ça, c'est aussi la liberté qui permet aux cultures d'évoluer et aux idoles d'être enlevées de leur piédestal. Mais ça, c'est vrai pour l'homme, c'est vrai pour la société, c'est un long travail. Il me semble que, pour une part, Charles de Foucault l'a fait. Ce qui est touchant chez Foucault, comme chez les très grands saints, comme chez Saint-François de Sales, comme chez Ignace, comme chez Saint-François d'Assise, c'est qu'au fond, on peut dire que... Alors, je pense que lui-même n'aurait jamais accepté qu'on dise ça, mais c'est la délicatesse même du Christ.
qui, dans l'Évangile, rencontre quelqu'un d'affligé de 1000 maladies, ne lui dit pas « je vais te guérir », qui lui demande « veux-tu guérir ?» C'est une des phrases les plus mystérieuses, les plus respectueuses de la liberté de l'homme. On ne lui dit pas à l'homme « fais ceci ou fais cela ». On ne le guérit même pas, on lui demande « veux-tu guérir ?» Et c'est quand l'homme dit « oui, je veux bien » qu'il se passe quelque chose. Charles avait fait de sa rencontre avec Jésus un chemin vers l'amour. La reconnaissance de l'autre dans toute sa différence, ou plutôt avec toute la richesse de sa différence, lui avait offert la plus grande paix que l'on puisse espérer. La paix avec soi-même. Une paix intérieure, incandescente, constructive. Une paix tournée vers l'apprentissage des savoirs de ceux qui nous entourent et ne pensent pas comme nous. Une paix qui ouvre le cœur des hommes et les sauve de leur mutisme. Le 13 novembre 2005, Charles de Foucauld était béatifié par le pape Benoît XVI. 10 ans plus tard, jour pour jour, des attentats d'une violence et d'une bêtise inouïe précipitaient à Paris des centaines d'innocents dans l'horreur. Que dire ? Que penser d'une telle coïncidence ? Plus urgent que jamais, le message de Charles devra continuer à traverser le temps. On trouve qu'on n'aime jamais assez. Comme c'est vrai, on n'aimera jamais assez.